Eh bien, une bonne question qu'elle a posée. Est-ce que comportement si jeune qu'a promis à l'arrivée les burglaries, est-ce que son problème social lié ou tout simplement son comportement criminel? Il y a une étude que le café qui cabaye le cancer. Et nous sommes capables de conclure que les gens qui ont marché volé à faire un mur, casser quand même, ils ne sont capables pas un pouvoir de bonne volonté. Vous pouvez regarder les gens qui ont un peu de sens sur lui. Ils n'ont pas poussé des têtes ouvrées. Pour moi-même, je n'ai pas perdu volonté libre. Mon bagage qui est perdu. Ça que je me dis ça parce que ma pense à un courant d'idées qui est le positivisme, qui reconnaît que, tendez bien, une force qui était en dehors de contrôle moun qui a fait ça. Donc, le moun qui a volé. Force ça que moun n'a pas possible là, qui a poussé moun à faire un seul bagage. Ça qui est pour le avec moun qui sentit frustré, les li manquer satisfaire de besoin. Que le pas combler surtout besoin qui a un rapport avec déficit social avec le problème social et besoin ça a eu manquement ça a eu déficit ça a eu tout ces deux bagages qui accumulaient pendant des années ça finit par avoir des conséquences. Vous bagaillez tout much, vous excellez là-dedans. Et la bonne conséquence. Et ça va bien comme conséquence, vous allez faire moins pas qu'à respecter la loi. Pour ne pas ça fait que on a réfléchi, on dit, mais bon, si il y a une possibilité pour moi, on n'a pas de liberté de choix. Est-ce que nous sommes capables de continuer à faire le responsable Zach que nous faisons? Ou bien nous sommes capables de faire le responsable Zach qui fait en certaine mesure? Parce que tout comme nous avons investi pour nous faire le responsable Zach qui fait là, est-ce que c'est pourtant un autre problème que nous avons essayé de résoudre avec comme là? Un problème de déficit social? On a pensé à ces jeunes, c'est pas qu'être bon jeune, petit monde. Qui a obligé à arrêter souvent pour problème de les burglaries. Mais finalement, ces jeunes depuis, ils sont contents de franchir le premier marché escalier, ça et l'arrestation. C'est comme si ils ont baptisé le mauvais côté. Ils ont perdu confiance en eux. Ils ont perdu confiance. Et l'espoir dans l'avenir. Un jeune pas capable de vivre sans confiance et l'espoir dans l'avenir. Jeune, c'est lui qui va faire différence pour résoudre une série de problèmes. Ce qui est très important pour poser la question, ça, est-ce que problème burglerie, ça, que le burglerie nous dit là, c'est un problème social. Ou bien son comportement, un problème de comportement criminel. Et nous connaissons que le cohort study, qui c'est une recherche, qui a une réponse sur ça. Qui a une est capable de combiner avec plusieurs autres stratégies, aussi stratégiques, mais il y a toujours une réponse.
So, je pense que les gens qui commettent des vols assez importants, que l'on appelle en anglais burglary, peuvent ne pas exercer leur bonne volonté. Il y a un pourcentage de chances que ces gens-là manquent peu de leur bonne volonté. Pourquoi je dis ça? Pour ceux qui sont au courant de l'idée qu'on appelle positivisme, qui maintient qu'il y a une force en dehors du contrôle des individus qui se sentent frustrés regardant des déficits sociaux qu'ils ont accumulés. Ils ne sont plus enclins à respecter la loi par conséquent. Lorsqu'on dit déficits sociaux, on voit des échelons dans la société que ces gens-là ne sont pas capables de franchir pour des raisons sociales, des raisons, par exemple, ils n'ont pas fini et leurs études. Ces gens-là ont eu des mauvaises circonstances dans leur vie. Ils n'ont pas été encadrés par des parents ou bien des professeurs. Et ils n'ont pas eu d'opportunité dans l'environnement que ces gens-là vivaient. Cependant, certains gens pensent, s'ils admettent qu'il n'y a pas de liberté de choix, ils ne pourront pas rendre les criminels responsables de leur propre erreur. Mais comment les condamner si ils n'avaient pas eu le choix? Si ils n'avaient pas eu le choix. Ces gens-là se posent cette question. Mais nous autres, nous pouvons penser à ces jeunes qu'on arrête, qu'on prend l'habitude d'arrêter, parce que ces jeunes-là qui représentent le futur de demain, ces jeunes-là qui ont commencé leur vie par une arrestation, est-ce que ces jeunes-là n'ont pas perdu leur confiance en eux-mêmes? Ils ont perdu leur confiance et il me semble qu'ils ne pourront pas avoir confiance. Dans cette façon-là, ils ne pourront pas avoir l'espoir dans l'avenir. C'est très grave, perdre son espoir. Et nous songer comment que nous t'a dit que 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 13, l'aimer, des trois bagailles qui sont plus importantes. Trois bagailles. Nous devons gagner confiance, espoir et l'aimer. Quand nous devons gagner confiance, il faut gagner espoir. Il faut gagner nous qui avons aimé, on a une seconde chance pour recommencer. Il est important de savoir si c'est un social problème qui est posé ou bien il s'agit tout simplement d'un comportement criminel. Après analyse, on pourrait considérer l'option d'une étude stratégique utilisant la stratégie, par exemple, concernant le cohorte ou bien une combinaison de plusieurs ou recherches stratégiques. C'est très important cette question à savoir, est-ce que c'est un problème social ou un problème de comportement criminel? In conclusion, I think that people who commit burglary do not exercise their free will. I agree with positivism.
There is a force outside the control of the individuals, like being frustrated about social deficit that they accumulate. They no longer commit to the law. However, some people think if considering no freedom of choice, we will not get the criminal offender be responsible for their own mistake. Nevertheless, if we keep arresting young people, they will lose their confidence and they will not be able to get hope for the future. It is important to know if it is a social problem rather than a criminal behavior. After analyze, I would opt for the core study strategy and the combination of research strategies.